Bonjour messieurs, aujourd'hui vous allez voir comment faire apparaître une seule unité ou personnaliser un groupe. Vous commencez par créer un personnage joueur. F6, vous créez le marqueur qui permettra de faire apparaître le groupe. Ainsi que le marqueur qui permettra de faire apparaître l'unité. Vous ouvrez votre dossier mission. Vous créez deux fichiers texte avec l'extension .sqf. Vous pourrez modifier ainsi les extensions de vos fichiers. Vous cliquez sur le lien dans les commentaires de Bohémie Interactive sur le Spawn Group. Vous sélectionnez l'exemple 3. Vous cliquez sur le second lien Arma 3 Assets qui vous permettra de sélectionner les unités. Vous pouvez sélectionner le code dans l'encadré, soit avec les flèches bas et haut, soit en cliquant dessus avec votre souris. Vous pouvez supprimer les codes, ceux-ci appartiennent à Arma 2. Entre les guillemets, vous collerez le code de l'unité désirée. Vous ouvrez donc Arma 3 Assets et vous sélectionnez l'unité dont vous avez besoin. Ici, vous avez les degrés de positionnement de l'unité, l'azimut. Je vais vous montrer comment vous pouvez personnaliser un groupe. Donc, c'est intéressant dans le but où les groupes proposés ne correspondent pas à ce que vous voulez faire dans votre mission.
Vous ouvrez le lien sur le spawn group. Vous copiez, comme pour l'unité spawn, le troisième code. Vous collez le code dans le logiciel Sublime Text 2, Poséidon. Idem, vous changez la position. MK Respond Group étant la position pour le marqueur de groupe. Ici, vous remplacez le code par l'unité que vous voulez. Idem ici. Je vais créer un groupe de 4 hommes. Donc je crée 4 guillemets. Vous ouvrez le lien à cette arme à 3. Vous sélectionnez les unités dont vous avez besoin pour votre mission. Ici, je vais sélectionner un groupe Recon. Voilà, votre groupe est prêt. Vous auriez pu très bien mettre par exemple des véhicules blindés pour réaliser un convoi. Vous savez maintenant comment faire apparaître une unité ainsi que personnaliser un groupe que vous allez spawner. Sur ce, je vous souhaite une bonne édition à tous, amusez-vous bien et à bientôt.